passé par la tête. Bon, ça va, Lucien, tu n'as rien, juste une petite égratignure. Allez, viens maintenant, la veillée va commencer. Jusqu'au nuage. Va, Lucien, va, ton trésor.
sort n'est pas ici. Il est ailleurs. Il t'attend. Et il y a tellement plus grand. Les paroles sont mystérieuses. Qu'a voulu dire la voix ? Lucien n'a pas le temps d'y réfléchir davantage, qu'il se retrouve soudainement dans une simple barque en pleine mer, seul. La tempête. En colère, elle souffle ses gerbes d'écume sur la frêle embarcation qui oscille dangereusement sur la crête des vagues et menace de chavirer. Maman ? Serait-ce là la fin de son étrange voyage ? L'endroit est glauque, parcouru de longues sinuosités d'êtres étranges. Ronces, lianes, lierres géants, dans un gigantesque lacis aérien. Frôlements inquiétants des grands habitants des lieux. Et Lucien, si petit dans ce dédale immense. Un immense tourbillon de lumière a tout emporté. Lucien est enfin de retour dans l'église. La vie a repris comme avant. Presque comme avant. Lucien, mon chéri, mais où est-ce que tu es encore passé ?
vous cherchais partout. Et si tout ceci n'était finalement qu'un rêve? Lucien ouvre alors sa main droite. Il y voit les pétales que lui a confié l'enfant aux cheveux d'or. Non, il n'a pas rêvé. Allez, épanouissez-vous. Aussitôt, les pétales s'élèvent au-dessus de la ville et ils font éclore des milliers de roses. C'était bien cela, ce grand trésor vers lequel la voix n'avait eu de cesse de le guider. Magnifique, hein? Ses guirlandes de lumière qui ondulent au vent comme de longs serpents colorés.